Bon, de toute façon, comme je disais, on va pas battre Relana. Pour info, j'ai récupéré ma mimique là, les cendres d'armes imitatrices qui me manquaient, puisque bah, j'ai eu un souci de sauvegarde, comme vous le savez tous. Donc on va se mettre là, et voilà, nouvel épisode. Bon, on va essayer de pas être trop en mode bourrin, parce que sinon on va jamais passer, évidemment. Allez, on va aller explorer par là-bas. Paf! Allons-y, mon coco. Alors faire gaffe à eux parce qu'ils sont très violents avec leur hache brave. C'est-à-dire que eux, ils font autant de dégâts que les boss comme ça. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Et oui, je disais tout à l'heure, apparemment, les développeurs ont décidé de faire une espèce de petite mise à jour pour réduire un petit peu. Alors pas réduire la difficulté, mais augmenter les bonus de certaines choses. Donc, bon, l'un dans l'autre, ça réduit un peu la difficulté. Mais, voilà. Est-ce que j'ai été clair? Absolument pas, absolument pas. On va essayer d'être un peu moins bourrin, noter cette phrase. Oui, non mais... Oui, bon, ce n'est pas très crédible. Effectivement, ce n'est pas très crédible. Moi, pour moi. Mais si, regarde. Tu vois, je prends plus mon temps. Tu vois, je prends plus mon temps. Hein. Tu vois, je prends plus mon temps. C'est lui là, avec sa hache. C'est lui là, ce relou là. Lui te tue en... Ouais, c'est deux coups, c'est quoi? C'est deux coups, même pas. Comme dans Star Wars, le compte deux coups. Oh là là, les jeux de mots, grave, ça devrait être interdit. Voilà, c'est bon, allez, on l'a eu. L'essentiel c'est d'y croire, ouais, d'accord. Salut à ceux qui débarquent, hello. Aïe. C'est un mec ça sur le bord de la falaise. On est d'accord. Hein. Oh attends, attends. Attends. Pour me venger de tous tes potes. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh ouais, du bateau. Oh ouais. T'inquiète pas, tu vas y aller. Tiens. Et le petit coup de pied derrière. Hop là. Allez. Alors s'il regarde par là, c'est qu'il y a forcément un truc. Je pense. Il regarderait pas. Bah non, t'es là. Je pense qu'il y a quelque chose. On va aller voir. Déjà on peut descendre. Je peux continuer à descendre. Ah, je peux continuer à descendre. Il y a forcément quelque chose par là. Oula, oui, il y a des ennemis en bas. Oh, il y a des ennemis pas cool, j'ai l'impression. Ils sont en train de se taper, non? Non. Il y a forcément une caverne ou quelque chose. On va aller voir. Ah, ça c'est comme les moustiques l'été, là. Tiens. Voilà. Tiens. En fait, il faudrait une tapette électrique. Pour eux. Pire saison de l'année. Mais oui, parce qu'en plus, il y a les moustiques l'été. Pire saison de l'année. Pire saison de l'année. En plus de suer comme des gros porcs, il y a des moustiques. Voilà. Sur le jeu mobile Marvel, j'ai passé niveau 30. Est-ce qu'il y a un palier pour la sponsor? Non, c'est le palier max. Boons, merci du fond du cœur. Je crois que le seul truc après, c'est qu'il faut qu'on se fasse une alliance et qu'on fasse un raid ensemble. Et il y a un autre truc, mais après, je crois que c'est ouvrir un certain... Je crois que c'est ouvrir un pack spécial si jamais, une fois que t'as avancé dans le jeu, je crois, il y a un truc comme ça. Ok, donc là c'est un passage pour descendre. Il y a peut-être une caverne ou quelque chose. Ah non, mais les moustiques, s'il te plaît, les moustiques. Les moustiques, quel enfer. Bonjour, hello, merci de votre follow. Attends, on va peut-être allumer ça, on sait jamais. Sait-on jamais? Caché. Peut-être des choses cachées. Tiens, bah lui, il s'est fait manger. Ah, oh là. Je sais pas du tout où j'arrive. Ok. Bon, c'est cool si t'en envoies une nouvelle, Almeloc. Ouais, ça peut arriver. Ça arrive des fois sur des modèles. Ça arrive. Oh, dis donc.
Oh, qu'est-ce que c'est que cette zone? Qu'est-ce que c'est que cette zone là? Dis donc. Il y a des crabes. Attends. Aïe. Ah! Oh le mauvais plan. Oh le mauvais plan. Oh le mauvais plan. Oh le mauvais plan. Ah! Fous-moi la paix. Tu sais quoi? T'as voulu m'attaquer? Tiens, bah regarde ce qui va se passer. Tiens, ah, tous tes bébés. Tiens. Ah, pardon. Ah bah il a tué ses propres bébés. Ouais, comme ça au moins. Salut à ceux qui débarquent. Oh la vache, il fait mal avec ces espèces de trucs là. J'ai envie de manger du crabe. C'est quoi? J'ai envie de manger du crabe du coup. Attends, mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Aïe. Oh, attends, vas-y. Boum. C'est bon, ça dégage. Quand tu veux. Hein. Merci. Voilà. Donc ça c'est fait. Œuf de crabe. Tu sais que je suis tellement matrixé par Planet Crafter que je vois œuf de crabe, je me suis dit super, on va les mettre dans l'incubateur. Ça n'a pas de sens. C'est pas une caverne ça? Non. Non, c'était pas une caverne. Ah oui, parce que ça y est, on en est aux animaux. On en est aux poissons et aux animaux dans Planet Crafter. Donc autant matrixé par ce jeu. Ah bah si, il y a une caverne là. Ah ouais, mais c'est relou ça. Elles sont reloues les plantes. Ah ouais. Est-ce que en termes de difficulté ce DLC sur Pice Lies of Pi? Bah Lies of Pi n'est pas dur. Hein. Donc oui. Lies of Pi c'est un. C'est une mise en bouche. Lies of Pi est un Souls-like sympa. Voilà, c'est pas si fou, mais c'est sympa. Attends. Eh ben, bah, ouais, du coup, je suis empoisonné, tant pis, allons-y. Surtout, ça y est, je suis empoisonné. Maintenant que je suis empoisonné, autant y aller. Hein. Donc, reprenons. Qu'est-ce qu'on a par ici? Non, ils sont pas difficiles, ils sont fourbes, les derniers boss de... les derniers boss de Lies of Pi. Et c'est un problème de Lies of Pi d'ailleurs. Soit dit en passant. Oh, j'ai eu peur avec son fantôme. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oula! Oui, d'accord, j'ai eu peur. Non, le problème majoritaire de Lies of Pi, c'est qu'il est trop rigide en termes de gameplay. Et c'est un problème, je trouve. Il est beaucoup trop rigide, à mon sens. Ça m'arrange. Sympa ce temps. Ah tiens, un site de grâce. Regarde ça. Un Luigi's Mansion 2 en fin de matinée. Ouais, il est trop rigide. Il est trop rigide. Attends. Je vais le faire. Je vais quand même faire ça. Alors,
Où est-ce qu'on est ? Ah bah non, je commence le DLC, donc je peux pas avoir battu le boss de fin. En parlant de ça, pourquoi je serai livré que la semaine prochaine pour Luigi alors que je l'ai précommandé ? Parce que ça dépend du site où tu l'as précommandé. Tout simplement. Et ça dépend de leur stock aussi, je suppose, de tous les gens qui avaient précommandé avant toi. Ah ouais, mais Amazon aussi. Amazon, faut jamais précommander des jeux dessus. Ah non, arrêtez de précommander des jeux sur Amazon. Commandez des jeux sur Amazon quand ils sont déjà sortis, ça pose pas de problème. Ne précommandez pas de jeux sur Amazon. C'est pour ça. C'est pour ça. Ou alors précommandez des collectors quand vous êtes sûr de quand vous voulez un collector. Mais précommandez pas de jeux en édition classique sur Amazon. Tu vois ? Voilà. C'est une horreur. C'est une horreur. Limite, ceux qui vont le commander aujourd'hui l'auront avant toi. Donc ouais, ouais. Ah non, les précommandes de jeux vidéo sur Amazon, c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Ah non, Amazon, c'est très bien, mais pas pour les précommandes. Amazon, c'est génial. Moi, j'adore Amazon. Ah, tu peux avoir des trucs super rapidement et tout, mais pas les précommandes de jeux. Ah. Alors. Oula. Oula. Oh la vache. Ouais, alors j'ai senti le truc vibrer, je me suis dit, il y a une merde. Waouh. Est-ce qu'il a des patterns de dragon ? Violent celui-ci. Non, non, les précommandes de jeux Amazon, non. Je t'ai dit, les commandes, oui. Précommandes, non. Alors. Je vais aller me récupérer mon truc et le démonter, lui. Est-ce que j'ai la possibilité d'invoquer ma mimique ou pas ? Je suis pas sûr avec le monstre. Ah, mais c'est pour ça que ma manette, elle vibre depuis tout à l'heure, tu penses ? Allez, viens là, il est où ? Là. Attends, saute, saute! Oh! Ok. Ouais, non, mais je préfère le choper comme ça. Sinon, je ferai pas assez de dégâts. Saute! Oh la vache! Ok, on est bon, allez, tranquille.
Voilà, merci. Allez, salut. Poupée cornée. Ok. Bonjour, Azogui débarque. Hello. Hello, hello. Alors, reprenons. Il y a un truc par là, non? Waouh, c'est très très sombre par ici. Ok. C'est que l'environ, on a déjà vu environnement plus plus accueillant quoi. Ah, il est accroché. C'est bon. Alors attends, hop là, ça c'est bon. Ah oui, il y a encore du monde là. Ah oui, d'accord, c'est encore. Ouais, il donne 5000 à 3, je crois. Ça, c'est 1300 par personne, c'est ça. Un peu moins, pour 3. 3006. 3009, du coup. Ok. Peut-être que le DLC, globalement, est plus sombre. Le jeu de base. Il y a un truc là-bas. Aïe. Vas-y, viens. Tu peux pas venir? Ouais, je viens pas. Aïe. Hé hey. Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette caverne? Un sac de démolition. Ok. Du monde à gauche, à gauche et à droite. Ok, on s'en sert. Aïe. 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 Yeah. Et ouais, non, Luigi's Mansion, normalement, je devrais recevoir vers 10h30, 11h, par là. C'est l'heure à laquelle Nintendo m'envoie le jeu, donc normalement. Je vérifierai les mails, mais normalement. Après, le temps de le télécharger et tout. Mais normalement, ouais. J'ai encore un colis qui arrive ce matin. Vers 10h30, 11h aussi. Regarde ce que ça fait. Donc on verra. Hello. On verra. J'aurais bien été à gauche aussi pour voir ce qu'il y avait. Pour avancer. Le monstre, normalement, c'était une fois. Ça c'est fait. Normalement. Alors. Est-ce que je prends le risque de... Oui. Bon, c'est pas énorme. En fait, ils offrent que 1300, mais bon. 1300 plus 1300 plus 1300. Ils jouent au nouveau pack. Alors, c'est qui il? C'est moi? Et pack extension? Oui, j'y suis, oui. Oui, je dois le télécharger, je l'ai pas encore téléchargé. Ubisoft me l'a envoyé, je n'ai pas encore eu le temps de le télécharger. Je l'ai pris sur Switch. Oui, absolument en français. Oui, je comprenais pas ton message du coup. Ouais ouais, Ubisoft m'a proposé sur toutes les plateformes, je me suis dit que j'allais le tester sur Switch, le remaster de Beyond Good and Evil. On en fera une vidéo je sais pas quand. Parce que là on est jeudi.
cet après-midi, donc il y a Luigi's Mansion qui sort sur la chaîne. Demain... j'avais une vidéo prévue pour demain. Sinon demain après-midi, si j'ai rien. Il me semble que j'avais quelque chose pour demain après-midi. Je sais plus ce que c'est. On verra. Si c'était... merde, je sais plus. Bon bref, sinon oui, demain après-midi sur la chaîne. Très certainement demain matin en stream. Mais demain après-midi, peut-être sur la chaîne YouTube aussi. Si jamais vous n'êtes pas là en stream, je pense. Bon, attends. C'est ça que je voulais faire. Ouais, je sais pas quand. Je sais pas quand, parce qu'en fonction de tout ce qu'on a à tester et à faire là ces jours-ci, sachant qu'il y a Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, je sais pas si on fera un let's play complet. Je sais pas. Parce que on a le DLC d'Elden Ring et Paper Mario à faire. Et puis je suis pas sûr que le let's play de Luigi's Mansion 2 3DS soit excessivement suivi. Donc je suis pas sûr que ça vaille le coup de prendre le temps de le refaire intégralement en let's play. On verra comment fonctionnera l'épisode 1 et 2. On verra. Et sinon, on verra. On verra. De toute façon, on a déjà plein de choses à faire. Ouais, je pense qu'une découverte déjà, une grosse redécouverte d'une heure, ça sera très bien. Mais je pense que refaire le let's play intégral, ça sera pas intéressant et c'est pas le bon mot, mais genre rentable en termes de temps, tu vois. C'est pas, le mot rentable n'est pas le bon, mais dans le sens où il y a plein d'autres choses à faire. C'est ça que je veux dire. Jamais ça. Peut-être parce que ça sert à rien. Peut-être parce que ça sert à rien. Peut-être pour ça que je dis jamais. Ils tombent vachement facilement les loups là. C'est étonnant. Je suis assez étonné. Mais oui, déjà une grosse redécouverte d'une heure, comme d'habitude. Et puis on verra après. Parce qu'il y a Paper Mario que je voudrais terminer. Paper Mario, pour le coup, je l'avais jamais fait à l'époque. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Évidemment, il est pas derrière. Ah oui, c'est pas ça. Luigi's Mansion, je l'avais fait à l'époque. Donc, j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai fait. Mais ça va être cool de le redécouvrir en HD. Ouais. Ça va être très cool. Oui, il y a Planet Crafter aussi en cours, c'est vrai. C'est vrai qu'on a ça aussi. Ouais, mais Planet Crafter, c'est tranquille. Ça fait bien, c'est évident. Qu'est-ce qu'il me dit là? Herbe. Ah oui, oula. 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 Alors, ah oui d'accord, il y a déjà un ici, très bien. Oh la vache. Oh la vache, il fait tellement mal en plus. Ah, il fait mal mais il prend beaucoup de dégâts. Ah merde. Oh merde. Oh merde. Ah oui, il y a tous ses potes du coup. Oh la vache. Attends, cours Astérix. Il est où là? Oh vache. Ah ouais. Ça c'est bonjour monsieur, pardon messieurs. C'est ça. Waouh. Je me disais aussi c'est bizarre que les loups ça soit l'ennemi de cet endroit. Voilà. C'était bizarre cette histoire. Il y avait Anguille sous roche. Enfin, moi, j'aurais pas dit non à invoquer ma mimique, mais apparemment ils veulent pas. Donc bon, attends, il y en a un qui est derrière lui. Hein. Regarde-le, prêt à bondir. Cette fourbasse. Aïe.
ton... À deux. Aïe. Hé hey. Hé hey. Bon, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher tout doucement du gars, là. Parce que je l'ai pas vu tout à l'heure. Il est où? Il est où? Ah, il est là. Ouais, d'accord. Ok, 4 coups. Ok, 4 coups. Ah oui, d'accord. Et en plus, tu les butes une fois. Ok, il est juste allé taper une fois avant qu'il se barre. Alors attends, je vais checker ce qu'il y a par ici. Je pense que ça c'était l'accès principal. Et que je suis arrivé par en dessous. Quasiment sûr que je reviens à l'endroit. Aïe. Aïe, attends, fais attention parce que j'ai laissé mes runes aussi en bas d'ailleurs. Je suis en train d'y penser. J'avais quoi? J'avais 110 000, un truc comme ça? Bon, ça va. C'est pas non plus... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, je reviens là. Ok. Ok. Bon, après, 110 000, ça nous fait quand même un petit niveau. Avec les 23 000, on est quasiment à deux niveaux. Ce serait dommage. Bon, alors, par contre, il y a du monde en bas. Le must, ça serait peut-être de les attirer un par un. Je peux le faire ou pas? Oh, je peux le faire. Oh là là, ça va être magnifique, regarde-le. Qu'est-ce qui m'a piqué derrière la nuque? Il y a quelque chose qui m'a piqué. Ah, ils sont deux. Attends. Là, c'est ici. Bernard, ici. Oh merde, ils sont tous les deux. Bah, t'es bizarre quand même. J'aurais juré qu'il y avait quelque chose par ici. Hein. Tellement nombreux! Ah, je l'ai loupé. Waouh, ils sont tellement nombreux. Attends, si je tombe ici. Ah, il m'a vu. Ouais, mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Roule, roule, roule! Vas-y, récupère. C'est ça que je voulais faire. Non, mais allume la lumière, allume! C'est con! Mais qui les con? Mais qui les con? Mais qui les con? Je me suis trompé d'item. Mais qu'il est con. Est-ce que je trouve le DLC plus dur? Ou pas? Plus dur que quoi? Que le jeu principal? En fait, c'est pas qu'il est plus dur que l'aventure principale. C'est qu'en fait, le DLC se scale sur ton niveau. Donc en fait, c'est pas qu'il est plus dur, c'est que sa difficulté est constante. Donc je dirais pas que c'est plus dur, je dirais que c'est faut être plus attentif parce que justement... Merde, oh merde, ouais, bon bah j'ai perdu mes runes. En fait, c'est ça le problème, enfin le problème, je sais pas si c'est un problème ou pas, c'est qu'en fait c'est ça, le DLC a une difficulté constante. Donc, comme il se scale sur ton niveau, c'est-à-dire que le DLC te dit « Ok, t'es au niveau 195 ?» Bon, et ben la difficulté, ça sera niveau 195. T'es au niveau 30 ? Ok, et ben la difficulté sera au niveau 30. Et plus t'avances, plus le jeu se met à ton niveau, tu vois. Non, mais il n'y a pas vraiment de niveau conseillé. Après, de toute manière, tu peux pas arriver dans le DLC avant un certain niveau aussi. Parce que il faut avoir battu Radahn et Mog dans le palais de Mogwin. Donc concrètement, tu pourras pas y accéder avant un certain niveau. Tu vois, les gens qui sur les réseaux disent ah c'est trop dur le jeu alors que je suis niveau 10 ou 15, c'est faux, ce n'est pas possible, c'est impossible. Tu ne peux pas être là au niveau 10 ou 15, c'est impossible. Sachant qu'il faut avoir battu Radahn et Mogwin. Non,
C'est là où, évidemment, sur les réseaux, beaucoup, comme d'habitude, beaucoup posent problème. Après, oui, avoir un certain level permet surtout d'avoir finalement un certain skill et d'avoir surtout un certain équipement, je dirais. Tu vois, c'est surtout ça en fait. Et avoir un certain niveau permet aussi d'avoir un certain nombre de fioles et donc un certain nombre de choses. C'est surtout ça en fait. Donc c'est pas vraiment un niveau qui est nécessaire pour le faire, c'est plutôt une avancée dans le jeu. Voilà, moi je conseille d'être en New Game Plus pour y aller, oui, tu vois. Ah bah non, en fait je suis obligé de les rebuter. Hein. Ah non, je suis pas obligé de les rebuter. Si, 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 je suis obligé de les rebuter. Si, si. Bon bah, okay. Ah, je pense que si j'arrive à les buter une fois, après, ça devrait le faire. Ah mais ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Après, ils rapportent quand même pas mal d'XP, hein, j'ai l'impression. Donc c'est pas mal. Hein. Ils rapportent très bien chacun. Ah non, rien du tout. Ah, je pensais que c'était plus. Bah il est où? C'est pas un mec qui venait là? Oh là là, ça va être une horreur. À moins que je bute leur père, leur pote là-bas, ou leur père, ou je sais pas quoi. Tiens, vas-y, viens. Vas-y, viens. Je suis là. Merde. Aïe, aïe. Ouais, merci. En fait, c'est surtout ça, ce DLC. Majoritairement, c'est ça. Oh la vache, ils sont tellement nombreux. Oh là là. Il est censé sortir en août. NTH. Il est censé sortir en août. Le comics dont tu parles. Bonjour à ceux qui débarquent. Hello, bienvenue. Ok, allez, on y va doucement. On y va tout doucement. Ah oui. C'est vrai. Attends, je vais mettre ça comme ça parce que je pense que je vais peut-être avoir un... Attends, je sais qu'il y en a un en dessous, là. Là. Merde. Aïe. Non, ah, punaise. Eh oui, évidemment. Ah, je pensais l'avoir tout seul, mais... Ça en est où ma livraison? Non, entre 10h25 et 11h25, bon, ça doit le faire. Bon, tu sais quoi, la flemme de réaffronter les loups là. Vas-y. Louda, louda. Oh, ma caméra qui va surchauffer encore. Bon, et ben ça va se jouer sans caméra pendant quelques minutes, hein, comme d'hab. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai enfin acheté le refroidisseur pour ma caméra qui devra arriver normalement samedi. Donc on va enfin avoir, on va plus avoir des problèmes de caméra. Je vais l'éteindre, tant pis. Je vais l'éteindre pour l'instant. Hop là, ça va se jouer sans caméra. On s'en bat les steaks. De toute façon, c'est pas ma tronche qu'on veut voir. Allez, ce qu'on veut voir, c'est du beau jeu. Allons-y, je la remettrai tout à l'heure. Ah, c'est terrifiant avec les températures. Là, le boîtier, il monte à 40 ou 50 degrés, tu vois. Donc forcément... forcément... Alors... Déjà, je vais le rebuter, lui. Je vais passer derrière son dos. Est-ce que je peux ou pas? Ouais. Ah bah, c'est les premières années où il fait aussi chaud, aussi. Donc forcément, là... On est en juin et dans le local, là il fait déjà 38 là dans le local. Et j'ai beau avoir la clim, le problème c'est que l'air chaud monte, donc c'est un délire. La clim elle arrive un peu à... C'est immobile donc forcément, mais... Enfin bref, c'est le merdier. C'est le merdier. Faut mettre la caméra dans du riz ou alors mettre de l'eau, ouais, t'as raison. T'as raison. J'ai envie d'aller récupérer ce qu'il y a sur la stèle là-bas aussi. Ok, c'est 4 et j'esquive un peu de... Et aussi les saignements. Ah ouais, c'est les saignements, c'est les saignements, c'est les saignements. Vas-y, attaque. 1, 2, 3.
Ah oui, alors il me faut une claque après. Ok. Très bien, bah il me met des claques. Oula. Aïe, merde. Oh putain. Oh zut, oh zut, oh zut, oh zut. Bois, bois, bois. J'ai l'impression d'être à la fac. Bois, 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 bois. Voilà, c'est bon. On est bon. L'alcool est consommé avec modération, évidemment. Ah le mauvais plan! Ah le mauvais plan! Quel mauvais plan! Oh là là! Oh mais quel mauvais plan! Qui a eu cette idée saugrenue? Vache! Est-ce que je suis pas en train d'aller dans le mauvais couloir? Si. Oh punaise, c'est l'autre! C'est l'autre! Quelle idée saugrenue! Quelle idée saugrenue! Ah bah oui, bien sûr, bah mets-le dans le mauvais côté en plus! Allez, viens! C'est vraiment une horreur. Oh, que c'est mal joué, ça j'aime pas. Pourquoi je le fais? Parce que... Ah, mais ils sont tous bloqués là, en fait. Oh, bah alors. Et bah alors, mes titi. Et bah alors, on a un problème, on a mangé trop McDo. Ah ah, on n'arrive pas à passer, hein. Alors. Ah ah. Ah bah, fallait moins bouffer, hein. Eh bah voilà. Oh là là, la tactique du joueur français! Ah, cette tactique de merde! On ne la valide pas du tout. On ne la valide absolument pas. Mais bon. Mais bon. Mais bon. Oh la vache. Oh c'est pas bien. Ah, là j'ai été un peu trop vite. Voilà. Je crois que c'est le mot. Ah j'ai voulu aller un peu trop vite. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je le reconnais. Et pourtant c'était pas si mal. Et pourtant c'était pas si mal. Mais c'était très drôle. Au moins on sait ce qu'on peut faire. Au moins tu les attires par là. Et puis comme ça on est bon. Très sympa à savoir. Très sympa. Après peut-être que c'était juste un bug. Oui, non, mais évidemment, on ne va pas y aller comme un bourrin. Évidemment. Évidemment. Rappelons les premiers termes de cet épisode. Bien sûr. Bien sûr. Loin de moi cette idée. Loin de moi cette idée, voyons. Alors, voyons voir. Hop. Alors, c'était par ici. Non, c'était par ici. Là. C'était par ici. C'était par ici. C'était par ici. Alors, voyons voir. Déjà, je m'occupais de lui. Déjà. Je ne manquerai pas de le rappeler au monde. Voilà, moins d'opportunités. Oui, 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 oui. Ah non, je ne suis pas du tout un joueur bourrin, absolument pas. Je ne suis pas du tout comme ça. Attends, je vais peut-être les attirer. Youhou. C'est bon, ils m'ont pas tous vu. Ils m'ont pas tous vu. Attends, parce que je sais qu'il y a son pote là-haut. Ah, alors lui, il m'avait dit, il parle. Ah, je ne vais pas passer, je ne vais pas passer. Oh, je vais me faire avoir. Oh, je vais me faire avoir. Oh, je vais me faire avoir. Oh non. Oh non. Ah, décidément, on en perd des runes aujourd'hui. Décidément. Ma caméra. Ah, j'ai reçu le code de téléchargement pour Luigi's Mansion 2. Cool. Attendez. Je vais le mettre à télécharger en même temps. Alors. Allumage de la Switch. Oui. Bon, ça c'est bien. Quelle heure est-il? Tu vois, il est 10h.
On est sur un épisode de 40 minutes pour Elden Ring. On avait dit... Pourquoi ma caméra n'apparaît pas? Caméra... Paf! C'est bon. On avait dit... C'est les épisodes de 1 heure pour Elden Ring. On est parfait. On est pile dans le timing. Je suis tranquille là ou pas? Ça, je suis tranquille. Ok. On va mettre à Luigi's Mansion 2 à télécharger pendant ce temps-là. Toulou. Alors, voyons voir. Voyons voir ce petit code de Nintendo. Toujours ce Nintendo eShop qui rame sa mère! Comme toujours! Ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir qu'ils bossent pour la prochaine Nintendo Switch. Un Nintendo eShop qui ne rame pas. Je sais pas si ça sera possible, hein, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être quelque chose de très ancré. Mais ça serait plutôt pas mal. Voilà. Et. Télécharger, enregistrer. Il pèse combien? Je ne sais pas. Je vais regarder combien de temps il met à télécharger déjà. Ce qui serait bien, c'est qu'il mette moins de 20 minutes. Bon, je pense quand même. Après, je suis en stream. Ouais, c'est bon. 9 minutes, 8 minutes, 7 minutes, 5 minutes. Bon, très bien. Je sais pas combien il pèse, mais 5 minutes de téléchargement. Je sais pas. Il doit peser très peu lourd. Ah ouais, non, Nintendo eShop, il est pas du tout optimisé, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Alors attends, on va allumer une torche. Oui, c'était en bas. Ah non, c'est là, j'ai perdu là. Oui, bon, pour récupérer 1800 runes, merci bien. Merci bien, Bernardo. Voilà, on va pas aller bien loin avec ça. Ça sera déjà ça. En vrai, j'aimerais bien aller récupérer leurs trucs là directement. Ça aurait été encore plus rapide. Hein. Après, si j'arrive, y en a pas un là. Tiens, lui là. Si je le chope dans le dos. Voilà. Oh, ils arrivent tous. Allez, venez les gars. Oh! Vas-y, viens. Viens, ramène tes potes. Ramène tes potes. On peut pas passer, hein. Ouais, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir comme un bleu. Alors, fais attention cette fois. Cet enfer. Ah bon? Oh, dis donc, il a des yeux jaunes, ça j'aime bien, c'est celui qui m'a buté. C'est toi qui m'a buté. C'est toi. Il en reste quand même quelques-uns. Ah. Oui, bon, je vais les avoir un par un. Ah oui, d'accord. Oui. Oh, ah bah d'accord, très bien. Ah, oh, d'accord. Eh ben, je savais pas que tu pouvais sauter comme ça, Bernardo. Ok, très bien. 3, 2, 1. Wouhou! Ils sont quand même... Tu sais quoi, je vais tous les attirer. Youhou! Salut! Oh, c'était la mauvaise idée du moment!
En fait, il faudrait que je les attire tous d'un coup en y allant. Genre, je descends, je fais un petit tour en courant en faisant quelques esquives. Ah bah tiens, mon livreur, c'est sûr. Bon bah, je fais une petite pause dans l'épisode et je reviens. Bon, donc, reprenons. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de me dépêcher d'aller là-bas et d'aller voir s'il y a le boss derrière aussi. Juste pour checker aussi. Je vais récupérer mes runes. Ah, désolé pour la coupure, hein. Désolé. Elles sont par là. Rune. Ok. Bah écoute, vas-y, let's go. Je vois. Ah, tiens, il y a un boss derrière. C'est ce qui va m'intéresser. En fait, c'est des amuse-bouches. C'est clairement des amuse-bouches. Là, je les ai récupérés. Ah oui, du coup, j'ai pas enregistré le passage où je vais récupérer ça. Voilà. C'est lui qui va nous intéresser. Oh, attends, mais quoi? Je me fais attaquer de l'autre côté de la zone du boss, mais c'est un délire. Non mais ça, toujours plus. Toujours plus. Oh la vache. Oh la vache. Wouah. La vache. La violence. Oh la vache, mais j'ai le temps de rien faire. Oh, en même temps, j'avais jamais été pas soigné. Oh, il fait 9 points de dégâts. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est peut-être pas lui que je devrais utiliser. Bon, en vrai, en même temps, s'il est bien. Je sais pas si je peux l'améliorer, ma mimique. Je crois que je peux l'améliorer. Hein. Faudrait que j'essaye d'aller voir. Le truc, c'est qu'elle me retire de la vie, donc faut que je fasse ça très vite. Et ensuite, la potion. Vas-y. Ah, merci. Oh la vache. Oh là là. Ah oui, d'accord, très bien. Il a cette pattern là aussi. Ah, c'était la pattern de Mog, ça. Je la reconnais, hein. Du coup, je me demande si c'est pas un... Si c'est pas un pote de Mog. Oh la vache, merde. Ah ouais, non, il est quand même bien violent. Ça devrait le faire, mais en fait il fait très mal, hein. Il fait très mal et il a un bon gros dégât de zone aussi. C'est surtout ça. Allez vite. Allez vite, 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 vite. Merde. Ouais. Aïe, je l'ai pas eu. J'ai pas eu le temps.
Oh merde. Merci Francis pour ton resub. Ok, on prend le temps, on prend le temps. Allez, ça c'est fait. Wouh. 34e mois de sub, Francis, merci beaucoup. Ah, il y a les cendres en plus. Il y a ces cendres. Cool. Cool. Il y a ces cendres. Ok, bon. Donc ça c'est fait. Merci pour le GG. Ouais, alors il y a tout cela. Quel enfer. Il est pas avec moi encore ? Non, il est plus. Bah 89 000 runes, c'est un peu ce qu'on a perdu. J'ai même pas, j'ai perdu 100 000 tout à l'heure, donc. Non, c'est bien, c'est bien. C'est déjà ça de récupérer, quoi. Oui. C'est déjà ça de récupérer. Oh la vache. Oh là 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 là. Je te jure. Écoute, je vais juste à ce moment. Je sais plus combien il me fallait pour aller au niveau de plus. Je sais plus combien il me fallait. Ah bah il me fallait 87. J'avais dit que j'aurais bien aimé tu as immunité corps. Je vais mettre un peu d'intelligence. Voilà. On en manque un peu. On en manque un peu. C'est surtout que j'aurais bien aimé pouvoir faire ça à l'éclair draconique de Vaig en fait en utilisation. Bon, continuons un petit peu, on a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes sur cet épisode. Donc. J'ai toujours pas la carte, hein. On a encore quelques minutes. Ah, il y a un gros crabeau. Aïe. Voilà, merci. Salut. Le petit crabos. C'est fait. Ah, il y a un truc derrière là-bas, je l'ai. Il y a un truc derrière la cascade. Toujours. Ouh là là, dis donc. Dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ah, j'étais en train de dire c'est pas trop chiant. Mais en fait... Bon, ça va. Là, ils sont pas trop chiants. Bonjour à ceux qui débarquent. Hello. Talisman de tortue à deux têtes. Ok. Très bien. C'est quoi ce talisman? Tortue, récupération d'endurance. Ah, grandement. Très bien, je prends. Je suis preneur. J'avais quoi? Restauration les PV. Ouais. Et j'avais quoi? Médaillon. Grandement endurance maximum, PV maximum. Ouais, c'est bien. Très bien. Et bah, très bien. Bah, ça m'arrange. Ok. Et bah, let's go. Oula, j'ai pas confiance dans cette zone. Je suis pas en train de revenir sur mes pas. J'ai choisi ma vie de famille. Très bien, Rougegorge. Félicitations. Ben si, ça m'intéresse. Félicitations déjà pour ton nouveau poste. Et félicitations pour ton choix. Félicitations. Ben si, tu sais bien qu'ici on est très proche de ça. Donc si, félicitations. Si, si. Je suis content que tu nous en donnes des nouvelles. Je pense qu'on n'aura rien de plus par là. Et je crois que... Ah, je reviens pas, je reviens en arrière là, non ? Bon, je vais récupérer les runes tant qu'on y est pour terminer cet épisode. J'aurais bien aimé trouver la carte aussi de cet endroit. Peut-être qu'il faudrait que je suive une route, une autre route. Là, c'est vrai qu'on est descendu, on a descendu la falaise
On va remonter. Je pense que sur la route, on trouvera. Aïe. Ok. Ben, je me doute que ça n'a pas été un choix simple. Je me doute. Ah, bon, ma caméra surchauffe. Je suis désolé. On va terminer cet épisode sans ma caméra. Ah, j'ai hâte de recevoir mon kit de refroidissement. Je vous ai dit, il arrive samedi. Oh là, je peux plus. Ça va faire du bien. J'espère qu'il sera pas trop bruyant. Ah, c'est sympa de jouer. Super. J'y ai déjà été. Oui. Ouais, c'est là où on avait le boss. Ouais, c'est là où on avait le gros patapouf de tout à l'heure. Bon, bah écoute, j'ai été chercher ce que je voulais au fond. Au moins, on a ce qu'il faut. On a chopé et le médaillon et les cendres de guerre, si jamais. Du gros, là. Ok. Rune du royaume des ombres, c'est très bien. Je dois avoir quelques runes sur moi aussi, je vais vérifier. J'ai quoi? Oh, j'en ai pas énormément, hein. Ouais, j'ai quasiment rien. Bon, je vais les utiliser quand même, mais... Bon, c'est déjà ça de prix, hein. Ouais, 10 minutes, bien. Oh, mais c'est déjà ça. Ah, mais c'est là où j'avais pas été, plutôt. Eh oui. Attends, est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je prends un risque? Oui. Ok. Ah, il y a des trucs en dessous. Ah, mais attends, il y a des gens en dessous. Ah, je me dis, on sait jamais, ils cachent tellement de choses dans tous les coins. Attends, je vais y aller. Bonjour à ceux qui débarquent. Hello. Bienvenidos. Ok. Je vais récupérer la pierre ronde. Je sais pas à quoi servent les pierres rondes. Parce qu'ils m'en donnent quand même quelques. Oh. Oh, ça a l'air bien stylé par ici. Bon, ça a l'air d'être un peu difficile aussi. Ça m'intéresse. Est-ce que j'aurais pas quelque chose par là avant? Si, bien sûr. Voyons voir. Un truc derrière la cascade là. Non? Non. Non. Ah, ma caméra. Pourquoi ma manette elle vibre quand je suis comme ça aussi? Ah. Ça m'intéresse pas mal là-bas. Ça a l'air sympathique. Ah, par contre, je les attirerais bien vers moi, là, les espèces de trucs dégueulasses, je les déteste. Et je préfère les choper un à un, plutôt que les avoir tous en même temps. Voilà. Alors, le prochain, c'est lequel, hein? Celui-là, c'en est pas un. Celui-là, c'en est pas un. Ok, celui-ci, ça doit être un, il a une couleur un peu différente. Donc celui-là, non. Mais celui-là, oui. Ah, ok, il y en a un autre là. Non, tombe pas. Ok. Aïe. Ok, c'est bon, on est passé. Ok, on est
passer. Oh, mais attends, où est-ce qu'on arrive? Oh, ça me plaît bien cet endroit. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a par là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, tiens, tiens. Tiens, tiens. Oula. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Aïe, évidemment. Voilà, merci. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et... check quand même. C'était juste pour les pierres de forge. Ouais, c'était juste pour les pierres de forge. Trahison droit devant. Ah, je dis, c'est ça. Ok. Bon, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Ah ouais, hein, c'est une sacrée bestiole, on est d'accord. Hein. Ah bah, putain, j'ai, bon, j'ai encore un livre, c'est fou. Bon bah, je vais chercher mon colis, je reviens, encore. Bon allez, normalement c'était le dernier colis de la journée. J'espère. J'espère. Attends, je suis descendu par où? Je suis descendu par là. Normalement, c'était le dernier. Ah. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, cet épisode d'Elden Ring, faudra que je fasse un montage dessus parce que du coup, j'ai dû découper des morceaux. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on arrive? Ah, déjà, j'ai une. Déjà, j'ai un lieu de repos. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre d'arrêter cet épisode aussi dans pas longtemps. Et de dépenser un niveau. Je vais le mettre en... je vais le mettre en force. Je vais le mettre en force pour l'instant. Alors attends, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir s'il n'y a pas des choses un peu cachées aussi. Parce que je les connais maintenant. Ça, déjà. C'est parti derrière la cascade encore. Ah! Ah, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru pendant une demi-seconde. Ouais, c'est bientôt être la fin de notre épisode de Elden Ring. Là. Je crois qu'on a dû dépasser un peu une heure de jeu. J'essaie toujours de faire l'épisode d'une heure pour Elden Ring. Monsieur, bonjour. Vous avez l'air un peu triste. Un cercueil accompagné sur passager dans une petite larme. Ah oui, d'accord, ça veut dire qu'il y a encore le cercueil quelque part pour monter. Je sais plus par là quand même. Nope. Ah oui, ouais, ok, grosse descente. C'est dur de lâcher le jeu. C'est dur de lâcher le jeu. C'est toujours aussi dur. Hein. C'est une porte, ça. On dirait une porte. C'est la porte de la Moria. Je l'ai reconnue. J'ai pas... oh, punaise, je vais mourir. Ouais. Attends, faut que j'aille récupérer mes petites bois. Ouais, 2000 euros, il faut rien. Non, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Au moins, on sait qu'on a un bel endroit à explorer pour la prochaine fois. Et au moins, on aura fait un petit peu ce que je voulais pour aujourd'hui. Donc, c'est assez cool.